Faire du sport régulièrement, arrêter la cigarette ou encore manger plus sain, ces résolutions reviennent chaque année. Selon une étude, pour 70% des Français, la première résolution est le sport pour rester en forme toute l'année. Mais bien souvent, résolution rime avec désillusion et ces dernières ne sont parfois pas tenues. Une équipe de journalistes est allée à la rencontre des Braguards afin de savoir quelles résolutions personnelles ils envisageaient de prendre pour cette nouvelle année. Et surtout, est-ce qu'ils y croient ? Écoutez. L'année qui arrive, ben écoutez, je fais du sport, mais j'aimerais bien en faire encore un peu plus. Mais malheureusement, les moyens ne font pas que qu'on peut faire du sport tous les jours. J'en ai toujours fait depuis tant toute petite et j'adore ça. Je voudrais bien avoir un coach pour moi toute seule à la maison tous les jours. Les résolutions, non. Je ne bois pas, je ne veux pas dire je vais arrêter de boire. Je vais essayer de me maintenir en santé, puis d'essayer de mettre en pratique, d'être tolérante, voilà. Bah comme tout le monde, on a toujours des bonnes résolutions, puis on ne les tient pas. Mais voilà, c'est pour nous donner envie de les tenir. Comme arrêter de fumer, faire le régime, mettre des sous de côté, voilà. Ne pas en prendre comme d'habitude, en fait. Je prends pas de résolution comme ça, je suis sûre de pas me tromper. On les prend et puis 3 semaines plus tard, on les tient pas, donc autant faire au fil de l'eau.